Cet hélicoptère allemand est une ambulance aérienne. Ce type d'appareil a permis le transfert de patients atteints du Covid-19 à travers la France, la Suisse et l'Allemagne pour désengorger les hôpitaux. Les équipages utilisent cette capsule conçue en Norvège pour déplacer les patients sans avoir besoin d'équipement de protection. C'est un problème national aussi, comme en France aussi. Par contre, il y a des hotspots qui sont un peu repartis dans tout le pays. En France, la région parisienne et le Grand Est sont durement touchés. L'hôpital de Colmar, par exemple, a dû transférer 170 patients vers d'autres centres en France et à l'étranger. Avec la propagation du coronavirus qui se poursuit, les équipes vont être amenées à continuer de déplacer des patients à travers l'Europe. Ce vendredi, des patients d'Île-de-France vont être transférés pour soulager les hôpitaux de Paris et de sa région. Selon une source proche des autorités sanitaires, des transferts par train sont prévus à destination de Bordeaux, d'Angoulême et de Poitiers.